Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal pour l'occasion de cette pleine lune du samedi 28 octobre 2023. Alors pour cette pleine lune, je t'invite à créer un espace créatif et à te connecter à cette lunaison. C'est l'occasion d'ouvrir mon journal créatif pour une nouvelle page créative que je vais faire avec toi. Alors si ce contenu t'inspire, pense à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien moi c'est Marie, j'aime mettre de la magie et de la beauté dans le monde et aujourd'hui je t'invite dans mon espace créatif pour réaliser un petit rituel pleine lune avec cette page de Art Journal. Alors pour cette pleine lune, cela signifie que le soleil est dans le signe du scorpion, puisqu'il vient de rentrer dans le signe du scorpion, et du coup la lune est située dans le signe opposé, c'est-à-dire pour cette saison, c'est-à-dire en taureau. Et du coup, elle nous parle de la médecine du taureau, et il faut bien penser au terme médecine par le terme amérindien, qui veut dire en fait puissance spirituelle. Alors le signe du taureau, c'est un signe de terre assez épicurien, à souhait. Il nous parle d'argent, de richesse, de dons au sens large. Il est proche de la terre et a pour intention d'enraciner ce que le signe du bélier a mis en ébullition. C'est la médecine de la terre qui nous stabilise et nous ancre. Et du coup, eh bien c'est l'occasion de mettre tes projets, tes idées en terre pour les laisser germer. Pour cette pleine lune, je vais faire une page en camaïeu de rose pour représenter l'amour, la tendresse, le charme. Alors donc du coup le signe du taureau aime prendre soin de son corps et il aime aussi tout ce qui est plaisir. Donc du coup c'est pour toi, c'est pour nous. Vraiment cette pleine lune elle est pour nous rappeler et pour savourer ces petits moments, de prendre soin du corps, de prendre plaisir à faire des choses. Tu peux savourer une pâtisserie, faire un joli repas avec une jolie nappe, te masser ou te faire masser, prendre soin de ton corps, prendre un bain, etc. La pleine lune, c'est vraiment ce moment d'exprimer aussi un vœu ou plusieurs vœux. Et pour celle-ci, du coup, je t'invite à faire un vœu
avec l'énergie du taureau. Celle qui enracine, qui ancre, mais celle qui parle aussi d'amour, de nourriture, de beauté, du corps. C'est vraiment un temps idéal aussi pour remercier la lune pour toute l'abondance que tu vis dans ta vie et que tu reçois. Alors tu peux dire par exemple, chère lune, je te remercie pour toute l'abondance que tu mets dans ma vie. Ce que mon cœur désire le plus au monde, c'est de m'aider à ancrer plus encore mon projet cher à mon cœur. Et donc du coup, pour cette page de Art Journal, eh bien, j'ai vraiment utilisé ce camaïeu de rose. Et puis, autour de l'amour, j'ai fait une page autour de l'amour avec des tampons et de l'aquarelle. Et puis, j'ai utilisé mes feuilles d'or aussi parce que j'aime beaucoup mes feuilles d'or. Donc, voilà. C'est une page très simple. Eh bien, en tout cas, je te souhaite une belle pleine lune. Pense à mettre de la magie dans ta vie. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi !